métier dans l'âme travailleur. Logique et calculateur. Prêt à dénoncer tout collègue. Assigné au même salaire. Ils finissent une heure plus tôt et s'attardent dans les bistrots. Lorsque j'écoute ces autres collègues, aussi braves, aussi intègres, qui finissent une heure avant moi, bâclant leur boulot parfois, pour un train à prendre, pour une bière, ou un boulot supplémentaire. Quand je parle avec eux, quand je médite sur les raisons qui les habitent, lorsque j'écoute certains collègues réalistes, égalitaires, trimant toute l'année comme des fous en vue de joindre les deux bouts, prêts à dénoncer à pour la bonne cause des chômeurs qui dans leur misère se complaisent et se trimballent en Mercedes. Quand je m'attarde vers ces chômeurs braves paumés ou profiteurs, évitons de nous leurrer. Tous des cas particuliers. Quand je conçois aussi la détresse des pauvres qui roulent en Mercedes, quand même chez eux je n'aperçois qu'une façade, qu'un apparat. J'aime autant de terre. En ces temps de fraude fiscale, où même les banques se font la malle, et d'alourdissement d'impôts, de fausses querelles linguistiques qui d'un point de vue économique restent, on s'en serait douté, des systèmes à préserver. Moi, le travailleur salarié, quotidiennement exposé aux précomptes, aux allocations, aux déflations en récession, aux fiches de paye dont l'avarice n'est guère à l'abri d'un caprice. Quand je me dis encore dans tout ça, il y a beaucoup plus malheureux que moi. J'aime autant me taire.